La course au flambeau, c'est un regroupement de policiers à travers le Québec, mais à travers le monde aussi. Mais si on parle au niveau du Québec, on est les gardiens de la flamme. La flamme de quoi? C'est la flamme de l'espoir, la flamme des Jeux olympiques spéciaux. Et nous, notre obligation, c'est de transporter cette flamme-là et de l'amener à l'ouverture des Jeux pour qu'enfin nos athlètes puissent faire leurs Jeux avec notre belle flamme de l'espoir. Notre implication en tant que corps de police au niveau des Olympiques spéciaux, c'est simple, c'est que c'est notre esprit de corps en tant que policier. Alors, au-delà des uniformes, au-delà des juridictions, on est tous unis pour la même cause. Ils sont courageux, sont déterminés. C'est le genre de valeur aussi qui fait en sorte que quand on est avec eux autres, on se sent plus fort à voir ces athlètes-là qui relèvent des défis. Et les deux athlètes qui sont aujourd'hui avec nous autres le démontrent très bien. Ils représentent très bien les athlètes spéciaux, la détermination et le courage. C'est merveilleux de les voir aller. C'est une grande fête. Je pense que ça fait du bien de pouvoir se retrouver. Ça nous donne des liens et je pense que c'est pour une bonne cause. Puis les athlètes spéciaux nous le rendent bien. Je pense que ça serait surtout l'implication de tous les chefs de police à travers le Québec, de tous les corps de police, de tous les services, que ce soit du fédéral, provincial ou municipal. Si tous et chacun faisaient une petite course à travers leur région, à travers leur ville, et ça pourrait sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est la course au flambeau, et en même temps d'expliquer c'est quoi les Olympiques spéciaux. Et en même temps, j'ai de la difficulté un peu à vous dire c'est quoi, parce que la course au flambeau et les Olympiques spéciaux, ça s'explique pas, ça se vit. Donc, s'il y a quelqu'un qui a l'intention d'en faire une, ils peuvent juste communiquer avec nous, puis on va aller même les aider à en faire une. Puis, je vous mets au défi.